Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 37 de notre folle aventure sur God of War Ragnarok. Comme d'habitude, 4K 60 FPS, mettez-vous bien, évidemment. Un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, installez-vous confortablement et on est parti pour la suite de notre aventure, à savoir que je suis en train de devoir trouver comment réussir à passer ceci, et je vous assure que ça me paraît déjà bien compliqué. D'accord. Ah, j'ai compris. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Regardez bien ce qui va se passer. Ok. Les flèches similaires devraient fonctionner malgré la glace. Ok. Raté. Tu dois trouver le bon angle. Chier. Ok, on est reparti. On est reparti. Ah, commencer sur ça, ça va commencer à mériter. Hein. Ok. C'est ouvert. Allez, ça dégage. Yo les gars, qu'est-ce qui se passe? Wow, 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 wow! Fireball! Ok, très bien. Ok, très bien. Allez, let's go. Passage de gueule, on n'en parle plus. Insta la piste, hein, mon pote! Comme ça qu'on commence un épisode par ici, mon gars. Tu t'attendais à pour quoi? Pour un morne, il était anormalement robuste. Les nains auront du mal à reconquérir ce gars-là. Ok. Nous devons ouvrir au moins l'une de ces portes. Bon. On va devoir ressortir la hache. Il y a un truc à faire là-haut. Ici, on a quelque chose aussi. Ah, cela a comme un air de déjà-vu, mon frère. Ouais, 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 j'essaye de comprendre, les gars. Non, attends. D'accord, ok, j'ai compris. Ah, il a totalement compris. Ça a marché. On y va? Ton opinion. Est-ce pour cela que tu as souhaité cette alliance? Attends-tu de moi que je mène tes armées lors du Ragnarok? C'est à Tyr de le faire, pas à moi. Tyr n'a plus rien d'un dieu de la guerre. C'est évident. Moi non plus. Cette ville appartient au passé. Pas la partie qui consiste à tuer des dieux. Sinon, que faisons-nous dans ce royaume? Forger cette arme, c'est ton choix. Et tu sais où il pourrait nous mener. Je ne fais que protéger mon... Je sais. C'est comme moi, c'est la protection d'un enfant que nous allions à faire. J'essaye de comprendre un peu. D'accord, je pense avoir peut-être compris quelque chose. En fait, il faudrait que ça aille de l'autre côté, c'est ça? Il faudrait que ça aille là, mais alors comment faire? Et là, il y a de l'eau qui vient d'ici, c'est ça qui est bizarre. Hein. Bon, peut-être que pour l'instant, il n'y a rien à faire. Écoutez, on continue. Excuse-moi, Priya, je t'ai fait perdre un peu de temps. On verra à l'avenir. Seul l'avenir nous le dira. Ok. Ah! Ça me plaît! Un beau coffre. Tiens, 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 que voilà-je! Ah! Ok. –
Ah. Alors attends. Ça c'est très bizarre. Ça c'est très bizarre. Ça m'a même un peu énervé pour ne pas vous mentir. Attends. Qu'est-ce que c'est? Ça m'embête. Superbe. Superbe, superbe. Bon, où ont-ils bien pu cacher la Fireball! Ok. Voilà qui est mieux. Alors attendez, attendez, parce qu'il y a forcément quelque chose ici. Ah, yes. Ok, j'ai compris. Il faut tourner ce gigantesque truc là. Comment faire? Alors attendez. Là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Et ça, on peut pas le tourner? Et là, pourquoi on a un accès ici? C'est forcément un accès à quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Je ne comprends pas. Ça tombe sur les côtés. Quel dommage. Ok. J'ai un problème. On a tous des problèmes, mais là j'ai un problème. Et mon problème c'est... Comment se fait-il? C'est forcément dans les environs. À gauche, il y en a deux. Voilà. Bien ce que je pensais. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Allez, pomme! On a gagné de la vie là. Yes! Pour l'instant, vous avez collecté assez de pommes. Oh là 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 là, ça suit son cours là. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Ok. Alors, j'ai quelque chose à faire à droite. Mais j'ai l'impression que c'est une énigme sans être une énigme. Il y a forcément quelque chose à faire. Mais... Ah non, il y a des chaînes ici. Alors s'il y a des chaînes ici, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à faire tourner. Non ? Kratos, je vois quelque chose. Ouais, on voit tous un peu quelque chose, les biches. Ça m'embête, hein. On dirait qu'il y a un mécanisme ici. Chier, putain. On dirait qu'il y a un putain de mécanisme. Je l'ai pas. Écoutez, je l'ai pas. Tant pis, on reviendra peut-être un jour. Mais là, pour l'instant, assez perdu de temps. Non.
Viens par ici, toi. Voilà, mon pote. On va tout faire péter, rien à péter. Excellent jeu de mots. Ah, ça c'est embêtant. La mère d'Atreus était une géante, n'est-ce pas? C'était une lunard. Oui. Ah, je me doute qu'elle ne faisait pas la taille d'une maison. Je sais que tous les géants ne le sont pas. Une différence de taille n'est pas un mal en soi. Pas plus qu'avoir des membres en trop, ou en moins. Ça va de soi. Ok, on a tout fait péter parce que sinon ça nous pétait à la gueule. Hein. Let's go, on va prendre le coffre. Ça, c'est fait. Allez, next. Next, next, next. Ok. Très, très bien. Eh ben, écoutez, on va passer par ici. Ah, ça m'embête quand même ce qu'on a laissé derrière. Je suis sûr, l'énigme, elle doit pas être. Elle devait pas être folle, tu vois. Je sais pas. À voir. Et voilà, on est là à la suite de l'énigme. Voilà, l'autre porte à présent. Et ben voilà, pas besoin de paniquer. Odin pour s'est opposé aux géants pendant des générations et a quasiment éradiqué leur espèce à deux reprises. Aujourd'hui, tu es peut-être sur le point de l'en empêcher une bonne fois pour toutes. Ne crois-tu pas? Ce que ta femme aurait voulu. Ne présume pas de ce qu'elle aurait voulu. Je ne dis rien que tu n'aies déjà pas. Comment était-ce déjà? Ces secrets hantent chacun de tes parents. Peut-être que si tu exprimais tes doutes, tu ne les dirais pas au visage de ta fille. Je n'en ai aucun. Elle connaissait mon passé. Jamais elle ne m'aurait demandé cela. Pourquoi aurait-elle eu à le demander? Elle a vu ton destin. Trois parents d'Odin sont déjà morts sur la voie qu'elle a tracée pour toi. Elle savait exactement ce qui se passerait en t'envoyant à Jotunheim. Ce ne sont là que des suppositions, Altesse, dont nous devrions sans doute nous passer. Après tout, nous essayons de tous coopérer, il me semble. Tu as raison. Ce n'est pas à moi de... Bon. Faisons tourner cette... C'est du bon travail. Ça dégage. Les énigmes, ça me résiste pas très longtemps, je te le dis, mon petit pote. Oh non, il y en a... Fireball! Allez, cassage de bouche. Ah, wesh. Bien, wesh. Allez. On récupère de la rage. Comme ça, ça dégage. Ok. 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 Ah. Ça devient maintenant. Ok, let's go. Ah, c'était pas évident, il m'a bien cassé la gueule, bien joué à lui en vrai. Il était presque chaud. Bien, hein, que diriez-vous d'un grand bol d'air frais après ça? Oui, je m'en doutais. Nous approchons, je le sens. Ok. Ah, attendez. Les gars, vous savez, ça m'explose à la gueule. Voilà, j'ai tout pété à la gueule de Freya, rien à péter. Hein. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Quoi que ça s'essaye? On essaye ou pas? Allez, on essaye. On vit qu'une fois, bordel. Ok.
Ok, je m'attendais à un gigafight. Très bien. Pour être très franc avec vous, ça m'arrange. Incroyable. Allez, let's go pour la suite. Je m'attendais à un fight de fou. Je m'attendais même à mourir. Écoute, je ne cherchais pas à te provoquer ou à mettre en doute ton mariage. J'ai simplement l'impression que tes pensées ne sont pas encore en phase avec ton instinct. Le sentiment m'est familier. Ok. Alors là, on récupère de ces trucs, les potes, ça vient de tous les côtés. Hein. Des lingots, de l'acier. En veux-tu, en voilà, on est littéralement des monstres, j'ai l'impression. Oh la vache. C'est une belle fois sorti d'ici, je te laisserai tranquille. Le temps que tu décides si tu es prêt pour ce qu'implique la création et l'utilisation de cette arme. Pardon ? Comment ça ? Dites-moi plus. En attendant, je vais voir si je peux apprendre autre chose de cet endroit. Qui sait, je renverrai peut-être quelques Eneriar au Valhalla pour la forme. Bon, amuse-toi bien. Hé, vous voilà ! Il était temps. Tout est prêt ici. Il nous reste plus qu'à pousser jusqu'à la forge. Falky ! Eh ben, tant que tu sais que c'est pas le chemin de la forge. Ah, bah je vais me battre avec avec Brock, très bien. Mais il est où le chemin de la forge ? Prenez donc vos petits raccourcis. Comme si j'avais besoin de vous dégourdir les jambes. Attendez, parce que tout ça on l'avait déjà fait en fait. Quand je veux sans problème. Si je ne m'abuse. Tout ça, on l'avait déjà fait, on est d'accord. Je ne suis pas fou. C'est juste qu'il nous manquait des pouvoirs pour activer un truc. Et elle, elle peut pas parce qu'elle est partie. D'accord. Ça va péter. Occupe-toi de ce nid, il va vite y avoir des yeux partout. Voilà. Ok. Alors là, les gars... On va passer par ici, je pense que c'était par ici. C'est très bizarre. Ces chiens. Pas étonnant qu'ils aient fermé les portes. J'ai l'impression d'être perdu là, les gars. Hey, par ici, les contrôlés. Attention derrière. Fireball. Très bien, c'est là la forge. Ok, let's go. Le reste, j'ai pas. Un instant, je l'ai presque. Faudra revenir ici avec Freya. Bien le bonjour, étranger. Vraiment, je ne m'y ferai jamais. On va croiser des types du coin. Faites pas les sauvages, et ça devrait bien se passer. Aussi dans une sorte de village. Arrêtez un peu de cailloter, bande de têtes mamelles. Emmorvez dans vos équipements de protection. Un village où apparemment il y a de l'argent qui traîne au sol. Vous avez jamais vu une légende ou quoi ? Un village, frère, où t'as des 500 balles au sol. Why not ? Oh, ça sent pas bon, ça. Okay. Tu vois le problème, hein ? Ces fichus yeux volants ont fait leur nid sur les câbles. Va falloir trouver un moyen de monter pour nettoyer tout ça. Oh, merci bien pour le spectacle. Mais tu te rends compte que c'est trop loin, j'espère. Ok. On va s'en occuper au calme. Bon. On dirait que cette roue là-haut permet d'ouvrir la porte. Ah ouais, mais tout ce qui se passe est embêtant. Tout ce qui se passe est embêtant étant donné qu'on n'a plus aucun accessoire, les potes, pour Et si on va commencer par faire cramer cette broussaille. Je croyais que c'était le truc à résonance qu'il fallait. C'est mieux. Ouais, 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 alors attends. Juste avant, je vais checker ce qui se passe là-haut. Pas de problème de ce côté. Fouille à droite, à gauche. Doit y avoir un moyen d'activer cet élévateur. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a ?
Voilà, c'est ça. Bouge pas, j'arrive. Mon frère, as-tu remarqué comme les nains du camp semblaient bien plus inquiets de la présence de Brock que de la tienne? Ils avaient l'air surpris. Bon, j'ai pu la tourner cette fois. Ah, c'est pas ce que Brock cache. Maintenant. Tout de suite. Il s'élève. Je sais pas ce que Brock cache, mais c'est très bizarre. On arrête les deux en même temps, tu vois. Ok. Hé hey, tourne-la. Moi, j'ai bien reçu. Là, je comprends pas. Regarde autour de toi. Trouve un angle. Fais ton boulot, quoi. Ok. Ah, prometteur. Tourne encore. Ça marche. Alors... qu'est-ce qu'on a là? Non... encore une fois. Ça marche. Et là, je sais pas, j'essaye... y a pas moyen de passer, je sais pas. Non, ben non, mes couilles. Mes couilles, mes couilles, mes couilles. Ça m'embête. Il y a forcément quelque chose à faire, les gars. Et là hey, aussi. Moi, je m'occupe de la manivelle. Toi, tu te charges du reste. Allez. Encore. Vas-y, fais-moi rêver parce que là, je vois pas là. Il faut que je comprenne. Là. Putain, mais je l'ai pas, je comprends pas. Quelle est cette énigme? Quel est ce subterfuge? Attendez. Si je fais. Si on bouge les deux. Il nous faut une meilleure position. Si on bouge les deux, les potes. J'arrive. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'ai peut-être compris, j'ai peut-être compris. Ok. D'accord. Ah ouais, mais comment je remonte en fait? Mais quel abruti! Ok, bon, j'ai compris. J'ai compris. Voilà pourquoi il faut que j'aille en haut. Parce qu'il y a un angle. C'est bon, je l'ai. Allez. C'est bon. On a galéré un petit peu, mais c'est ok. Allez.
câble. Let's go. Let's go, let's go. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens, tiens, tiens. Kratos martèle le sol de ses deux lames pour générer de multiples explosions. Ok. Ça c'est fait. Ok. Ça c'est fait aussi. Je crois qu'ils nous ont vus. Attention, au-dessus. Enfin, on va pouvoir rejoindre la forge maintenant. Allez, okay, okay. La dame nous Allez, attend. Parfait. Et j'ai une autre devinette. Plus vous en retirez, plus je grandis. Qui suis-je? Voyons voir. Quelque chose d'abstrait, je présume. L'appétit? Non, ça ne fonctionne pas. Oh, mais c'est qu'il est malin, crétin. Ok, let's go. On continue. On se bordit. Brock, si t'es pas là... Ouh, il fait frisquer. Je vais en prendre un peu pour la dame. Et prendre quoi? Le vent? Non, idiot. Le son du vent. Comment? C'est qui la dame? Observe et apprends. Tu vois? La magie naine est une magie de l'intangible, de relation entre ce qui peut être touché et ce qui ne peut pas l'être. L'important, c'est de comprendre. Qu'y a-t-il à comprendre? Que la nature d'une chose ne se résume pas à sa forme. Ok. C'est moi où il a capturé le vent, c'est bizarre. Un instant. Ça sent les ennuis. Tu seras moins moche avec mon marteau. Ah oui, d'accord. Le gars, il s'envoie comme des cailloux, gros. Hey, Fireball. Regarde-moi ça. Hop, cassage de bouche. Ça dégage. Ça dégage aussi. Ouais. Pas le temps pour vos conneries, les gars, là. Ça se met en boule, là. La dame, la forge. Il n'y a pas de créature plus magique dans tout le royaume. Je te jure, j'étais pas plus haut que les genoux d'une Noken que je rêvais déjà de la rencontrer. Mais Sindri a jamais voulu. Soit disant que j'étais trop rustre. Mais aujourd'hui, ça y est, enfin! J'en ai l'oignon qui frétille. Eh bien, Brock, je ne t'ai jamais vu si... respectueux. Serais-tu nerveux? Quoi? Tais-toi! Non, ferme-la! Ok. Eh bien, écoutez, prochain épisode, nous allons voir... Putain, mais ça, c'est quoi? Nous allons voir la dame de la forge. N'oubliez pas, encore une fois, le j'aime et le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, tout le monde! Bye bye!